Aujourd'hui, je vais vous présenter comment je torréfie mon mal. Avec un petit torrailleur maison, c'est une gamelle qui est à l'origine pour cuire les asperges. J'ai enlevé la poignée du couvercle pour pouvoir passer la broche. J'ai fait du trou sur la gamelle pour pouvoir avoir une meilleure évaporation, ainsi que l'arrière pour le tourne-broche. J'ai mis à l'intérieur deux tubes qui permettent de bien malaxer le malt à l'intérieur. Voilà, je fixe la broche et je n'ai plus qu'à le mettre sur mon plateau tourne-broche. Maintenant, je vais procéder au remplissage de ma gamelle. J'ai mis mon malt à tremper plusieurs heures et mis à y goûter. Je vais remplir gentiment ma gamelle. Bien tout correctement. Voilà. Maintenant, je ferme ma gamelle. Et bien fixer la broche, bien serrée. Il n'y a plus qu'à mettre au four. Suivant le type de malt que vous voulez obtenir, il vous faudra jouer sur la durée de cuisson, les températures ou les paliers éventuels de cette température. Pour ceci, vous trouverez quelques liens dans la description de cette vidéo. Attention à ne pas se brûler avec la vapeur qui s'échappe lors de l'ouverture du tourailleur. Bien étaler votre malt. Une fois refroidi, conservez celui-ci dans un endroit bien sec. Laissez-le reposer plusieurs jours avant utilisation, que les arômes puissent se développer. Dans la majorité des cas, j'utilise les malts que je torréfie en cold steeping, macération à froid. Merci de votre attention, à bientôt.